Le dauphin est un mammifère marin appartenant à la famille des Delphinida. Voici une description détaillée du dauphin. Apparence physique. Les dauphins sont des animaux marins élégants et bien adaptés à la vie dans l'eau. Ils ont un corps fuselé et hydrodynamique, avec une nageoire dorsale distincte sur le dos. Leur peau est lisse et généralement recouverte d'une couche de graisse appelée « graisse de dauphin ». Les dauphins ont une tête arrondie avec un « bec » allongé, des yeux situés sur les côtés de la tête et un sourire caractéristique formé par la courbe de leur bouche. La taille des dauphins varie selon les espèces. Certaines espèces, comme le grand dauphin, peuvent mesurer entre 2 et 4 mètres de long, tandis que d'autres espèces plus petites peuvent mesurer moins de 2 mètres. Les dauphins adultes peuvent peser entre 100 et 300 kg, en fonction de l'espèce. Les dauphins présentent une grande variété de couleurs et de motifs. Certains sont uniformément gris, tandis que d'autres ont des motifs tachetés, rayés ou mouchetés sur leur corps. La couleur peut varier en fonction de l'âge, de l'espèce et de la localisation géographique. La nageoire caudale, ou la queue, est un trait distinctif des dauphins. Elle est large et puissante, leur permettant de se déplacer rapidement et avec agilité dans l'eau. La forme de la nageoire caudale peut varier d'une espèce à l'autre. Comportement. Les dauphins sont des animaux sociaux et intelligents. Ils vivent en groupes appelés « pods » qui peuvent compter de quelques individus à plusieurs centaines, selon l'espèce. Intelligence et comportement. Les dauphins sont largement reconnus pour leur haut niveau d'intelligence. Ils possèdent des structures sociales complexes et présentent une gamme de comportements. Ils sont connus pour communiquer en utilisant une combinaison de vocalisation, de mouvements corporels et d'affichage visuel. Les dauphins sont capables d'apprendre et d'effectuer diverses tâches, et ils ont été observés en train d'utiliser des outils, de travailler en coopération et de faire preuve de capacité à résoudre des problèmes. Les dauphins sont connus pour leur comportement acrobatique, effectuant des sauts hors de l'eau, des pirouettes et des glissades. Ils utilisent également des vocalisations complexes, y compris des sifflements et des clics, pour communiquer entre eux. Alimentation. Les dauphins sont des prédateurs et se nourrissent principalement de poissons, de céphalopodes, comme les calmars et les seiches, et de crustacés. Ils utilisent leur écholocation, un système basé sur les sons, pour localiser et chasser leur proie. Les dauphins sont présents dans les océans du monde entier, des eaux tropicales aux eaux polaires. On les trouve dans les mers côtières ainsi que dans les océans ouverts. Différentes espèces de dauphins ont des préférences spécifiques en termes d'habitat, certaines se trouvant près des côtes, tandis que d'autres se déplacent en haute mer.
Reproduction et cycle de vie. Les femelles dauphins donnent généralement naissance à un seul petit après une période de gestation d'environ 9 à 17 mois, selon l'espèce. La mère apporte soin et protection aux veaux, en l'allaite avec du lait jusqu'à ce qu'ils puissent se nourrir d'aliments solides. Les veaux restent avec leur mère pendant une période qui peut varier de quelques mois à quelques années selon les espèces. Structure sociale. Les dauphins sont des animaux très sociaux et vivent souvent en groupes appelés gros. La taille de ces gousses peut varier de quelques individus à plusieurs centaines, selon les espèces. Au sein des groupes, les dauphins présentent une dynamique sociale complexe, formant des liens forts et s'engageant dans des comportements coopératifs tels que chasser et se protéger mutuellement des prédateurs. Les dauphins sont confrontés à diverses menaces, notamment la dégradation de leur habitat, la pollution, l'emmêlement dans les engins de pêche et la chasse. Plusieurs espèces de dauphins sont considérées comme en voie de disparition ou vulnérables. Les efforts de conservation se concentrent sur la protection de leurs habitats, la réduction de la pollution et des impacts humains, la mise en œuvre de pratiques de pêche responsables et la sensibilisation et l'éducation du public sur l'importance de la conservation des dauphins. Interaction avec les humains. Les dauphins ont une longue histoire d'interaction avec les humains. Ils sont connus pour faire preuve de curiosité et interagir de manière ludique avec les nageurs, les surfeurs et les bateaux. Les dauphins sont également présents dans les parcs marins et les aquariums, où ils participent à des programmes éducatifs et de recherche. Cependant, des inquiétudes ont été soulevées quant aux implications en matière de bien-être et d'éthique de la garde des dauphins en captivité. Les dauphins continuent de fasciner les scientifiques et le grand public par leur intelligence, leur complexité sociale et leur performance acrobatique. Leur conservation est cruciale non seulement pour leur propre bien-être mais aussi pour le maintien de la santé et de la diversité des écosystèmes marins.